face, c'est pas forcément hyper simple. Pendant que Gouchoué, Nano Boosté est en train d'aller chercher la backlane, Sanguinar est tombé. La rage primordiale qui pop, qui force la transcendance, Suri. Oh la magnifique travail de Gouchoué avec sa rage primordiale. Ça fait un très bon travail, notamment. On a suivi le positionnement des London Spitfire. Ils ont du mal à setup leur composition et notamment bah, setup leur backlane, savoir où on va mettre la hache. Aucune résistance. Les Dalassium qui malheureusement là sont assez bloqués et les tanks qui se permettent de faire du oh, du sale. Oh ça c'est du voilà, sale. Anbin, laissez-lui encore des kills. Il faut qu'il soigne ses statistiques. Benbest, le petit shipper, là, arrête de shipper Benbest. La prise de position Diagol était très bonne, l'espace d'un instant, il a créé beaucoup d'espace pour sa team. Est-ce que Yaki va pouvoir en profiter avec un gros choc Jessic? Le choc Jessic de Yaki qui va réussir à mettre deux joueurs au sol, notamment Stick qui va se faire charger par la suite de Yaki. Est-ce qu'il aura le temps d'en mettre un deuxième? Yaki! Mais le monstre Yaki là-dessus, il a chargé le troisième. Pour le troisième choc Jessic également, la démonstration. Deux vitesses de Lucio pour venir au contact et faire mal à ses adversaires. La Zarya qui est nano boosté. Oji qui est mal, qui a pas beaucoup de points de vie, qui va succomber sur ce flux. Le flux il est monstrueux. Faut qu'on parle de Punk, Adi. C'est son premier match, on rappelle. Premier match en Overwatch. Il y a un petit. Oh, kilo marteau pour ce sud. La garde royale est arrivée, mon cher Adibo. Et le laser purificateur sur Dalton en follow-up. Monsieur, vous avez essayé d'attraper le roi? Non, c'est la tour. Va te récupérer. Belle ligne droite, tenter sur un triple kill avec cette écho. Derrière ça, on prend d'espace petit à petit. Aïe 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 aïe. Dans la ligne parfaite.